C'est pas Et issu ça. salut tout le monde, c'est MyApple. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Terraria pour une nouvelle série. Le nom de la nouvelle série est donc, comme vous avez pu le voir dans le titre, des paumés sur Terraria. Donc le jeu de mots, hein, la pomme, MyApple, les paumés. Voilà, vous avez compris. Donc on est en compagnie. Je vais présenter un peu tout le monde. On est en compagnie de Gigur, de TirliBB08 que je ne présente plus, de Cargogax. Ça faisait depuis longtemps qu'on l'avait pas vu dans mes vidéos. Un cargo. Ouais. Et d'un petit nouveau là qui est devant moi, qui est en train de couper du doigt devant moi. De Davidman, Schtroumpf Davidman, donc qui est un petit nouveau qu'on a connu il y a pas si longtemps. T'as déjà passé une vidéo sur lui, non ? Non, pas encore. Okay. Donc c'est sa première vidéo, il apparaît avec nous sur Terraria, mais il est sur le serveur sous le nom de Davidman. Hein. Non, donc... Digimon, il y a quelqu'un qui a changé. Ouais, Digimon, on sait pas qui c'est qui a changé, mais. C'est moi. mec. Laissez pas les souches par contre, ça sert à rien les. Je vous conseille de prendre aussi les. Les tournesols. Ok, alors on vous explique en gros. C'est important. On est. C'est qui m'a volé tout mon bois là ? On est. On va dire, il y a deux personnes expérimentées sur Terraria qui sont avec nous, qui sont Cargo et David, et trois. Gros débutants. Trois gros débutants. Donc moi, Gigur et Tirly. Et comme par hasard, je suis un des normales, sinon il y a des schtroumpfs, un mec qui a des cheveux rouges, ouais. Et un gros punk qui non, est pas là. On appelle ça grand schtroumpf. Et moi. Et moi je suis schtroumpf. Alors, on va... Alors, Apple va... par contre laisse pas les souches, ah, oui, ça sert ouais. à rien. Ouais, c'est ça, et regarde. C'est un générique quand quelqu'un fait une blague. Voilà, c'est bon. D'accord. okay. Donc notre but, alors est-ce qu'on va se fixer des objectifs? Alors vous qui connaissez oui, Terraria. Déjà, j'ai une petite idée. Ils pourront nous proposer des défis parce que ce jeu, en général, dès qu'on fait une série, il vaut mieux qu'ils nous proposent des défis. Ok. Et il vaut mieux qu'on ait avancé par contre. Des chronards. Ok. Faut qu'on soit. Oh, par exemple, une fois j'avais proposé un défi sur une chaîne, je sais pas si quelqu'un nous proposera. C'est d'affronter deux Eye of Cthulhu, deux boss en même temps. Aux enfers. Ah ouais, quand même. Chaud. Ils l'ont fait. En gros, ils en ont affronté un. Dès qu'ils l'ont tué, ils ont invoqué directement l'autre. Ouais, voilà. Et c'était dans une des premières mises à jour, c'est-à-dire que dans l'enfer, c'était beaucoup plus compliqué. Ouais. Okay. Mais là, il va y avoir un point, ça va être bien aussi. Il y aura 200 nouveaux items, 3 nouveaux boss. Ah ouais, bon. Hop là, je suis un peu largué. Quoi, ouais, pareil. Ah non, mais ça, il y a la toile d'araignée. Faudrait peut-être qu'on se fasse une maison, mais plutôt près ben... de... Comment vous alors... pétez les tournesols? Tu le pètes avec ta pickaxe et tu pointes le bas, en fait. En dessous. En gros, tu pètes le bloc qui est en dessous. Ouais, ah ouais. Avec ta pickaxe. Ok, bah ouais, c'est bête que ça. Et ça servira à éloigner la corruption. La corruption, on verra ce que c'est un peu plus loin. Pas encore. Okay. Enlevez les souches, je comme dit Carmen. Maintenant, ils ont foutu la jungle. Non, enfin, il y a sur cette map. Oui, je sais. Mais sur cette map, j'avais vu Gigur au début. Il avait amené des monstres de la corruption. Comme un gros. Ouais, des scarabées volants. Non, des scorpions volants. Ouais. Ouais. Donc, ça veut dire qu'on fait la maison ici. Ok, par contre, elle est assez loin du spawn. Alors, on peut pas redéfinir un spawn. On va vous faire la liste des boss. On va faire la liste des boss. Ah, si on fait un lit, ça. Non, ça, tu cliques droit, ça va faire le spawn, mais on dort pas dedans. Oui, tu ça dors. Sert pas juste à changer. Ok. Bon, je pense qu'on qu'est-ce qu'il me pique mon bois, lui ? On se fait une grande maison pour tout le monde ? Non, je me fais une maison à part. Non, faut faire une maison pour PNJ déjà. Ouais, on va dire déjà ce qu'il faut faire pour que les PNJ viennent dedans. Pique mon bois. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour que les PNJ viennent ? Alors, pour que les PNJ viennent, il faut avoir une maison bien éclairée. Ok. Qui est. Putain, merde. Bien éclairée. Qui est une table et une chaise par PNJ. Ok. Et qu'il y ait des murs en fond. Par contre, David fait pas aussi haut. Ouais, je sais, je me suis planté là. Putain. Il faut qu'il y ait tout ça. Non, j'ai pompé ma hache. Et ensuite, chaque PNJ, il faut faire. T'as pris ma hache. Par exemple, l'infirmière, pour pouvoir la voir. Rejoignez le clan rouge, non ? Bah, on y est. Ouais. Merde, c'est moi. Donc, voilà. Vive la NES, il s'appelle. Donc, oui. Et, merde.
Je suis désolé. Fait plus haut. Donc oui, il a pour avoir des PNJ, par exemple, pour avoir le sur le pont David, d'accord, d'Avignon, le vieux jeu de mots. Donc oui, je vais finir ma phrase. Pour pouvoir avoir le marchand, il faut avoir 50 pièces d'argent, c'est ça? Ouais. Normalement, en tout, ça va compter. Ensuite, pour avoir l'infirmière, il faut avoir trouvé le premier cœur de vie, plus. Et pour pouvoir... il y a des tonnes de PNJ, par exemple, il y a la druide, je sais plus. C'est une sorte de druide, tu sais, t'apportes le truc qui permet d'empêcher la corruption. Ouais, ok, ok. Il y a maison, je la faire là. Ça, c'est mon souci. Le premier boss. Bon, j'ai l'impression qu'on s'en fout. Non, comme ça, on t'écoute pour ceux qui découvrent... Terraria, c'est un bon moyen comme ça d'apprendre en même temps, et puis nous aussi on t'écoute. Moi je t'écoute, mais je sais pas comment passer. Bah c'est normal, il y avait pas de porte. Ah oui, c'est dur aussi. Attends, mais les portes on l'a fait après. C'est bon, j'ai fait deux portes. Sur le pont d'Avignon. Ah ouais, putain, ah ce que... il m'a fait entrer ça droite. Moi alors. Alors déjà, j'ai préparé une table et une chaise que je vais poser ici. Alors la table là et la chaise là. On chie ces slimes. Okay. Et normalement, vu que la maison est bien éclairée, il y a des murs foutus un petit peu n'importe comment, mais il y en a. faut pas essayer de boue par contre. Et voilà. Normalement, bientôt. C'est mon souterrain, ça. Dès qu'on aura bien tout emmuré, bah, il y aura le guide qui viendra habiter là-dedans. Okay. Et seul problème avec les PNJ, c'est qu'ils ouvrent les portes aux monstres. Ils s'en foutent. Okay. Par exemple, il fait nuit, ils sortent dehors en ouvrant la porte aux monstres. Ok. Alors, je crois qu'il faut préciser qu'il faut avoir aussi un sol. Ça pas spécialement. Vaut mieux qu'il soit pas en dirt pour faire plus joli, mais sinon ça compte pas vraiment. Sinon on en profite pour faire la pub au jeu, donc il est disponible au prix de 9€. 10€. 5€. Ça dépend. Non, mais 10, c'est les soldes d'automne, c'est fini. Ouais. Ah, merde. Attendez, je vais juste me crafter une masse. Vous avez de la terre? En fait, on n'est pas obligé de faire plusieurs étages, hein. Plusieurs maisons. On peut faire directement un immeuble à plusieurs étages, par exemple. Faites une maison de PNJ, ouais. Ou punaise, ils sont tous dans ma maison. Hein. Immeuble à PNJ, ok. Ouais, on fait un immeuble à PNJ comme ça. Et puis chacun fait sa petite maison à côté. Ce que j'aime bien en fait, c'est que les outils ne s'usent pas comme contrairement à Minecraft. Mais ça va bientôt arriver. Alors, ça, c'est dans beaucoup de jeux. La petite plateforme que j'ai faite là. En gros, on peut se poser dessus et on peut passer à travers. Ah waouh, c'est cool. Et comment tu la craftes? C'est avec du bois. C'est tout. Et il faut que tu sois à côté de. Ah mince, il manque un mur. Alors, il me faut du bois pour pouvoir continuer la maison. Faudrait aller rechercher du bois, moi j'en ai pas assez. J'en ai, attends, j'arrive. Ok. Vas-y, j'ai un stack et demi. Bon, j'enlève toute ma bouse derrière là. Et ça, c'est pas ceux qui veulent se prendre pour un fou, ils peuvent monter sur les tables. Ouais, on fait un teuf. Okay. C'est quoi ça? Tiens. Tu fais quoi là? Il frappe comme ça dans l'air. Non, parce que. Bon, oui, on peut péter, mais voilà. Ah! Alors. Faut que je me craft. Et il en faut encore un. Voilà. Nickel. Donc, déjà, il va falloir qu'on crée des murs. Alors, comment je me fais des murs? Les murs, il faut. Wood wall. Oui, wood wall, c'est ça. Je pense que ça va suffire, 36 de mur pour refaire ça. On va voir. Ah non, je l'ai fait dépasser. Faut faire gaffe, hein. Ouais. Au départ, c'est assez chiant à faire ça. C'est vrai, je confirme. Mais je trouve que c'est une bonne idée, l'idée des murs. En même temps, pour un jeu en 2D, j'étais obligé de faire un truc dans le genre, parce que sinon, bah... Donc oui, voilà la liste des boss. On va commencer en premier par Eye of Cthulhu. Ensuite, ce sera le dévoreur de monde. Okay. Et un boss de donjon. Ok, à la fin de la map. Ok. Et d'un des deux côtés, par exemple, si tu fais tout un chemin et tu te gourdes de côté, il faut refaire tout le trajet inverse.
Ou tu te décores Eco et tu retournes au spawn et puis tu fais le stranger en face. Parce que le seul problème, un des plus gros problèmes je trouve sur ce jeu, c'est que quand tu décores Eco, bah... Ouais, deux secondes, je reviens, je m'amuse. Ok, secondes. Alors moi j'ai une question. C'est quoi le craft de votre machin, là, de votre plateforme pour monter à l'étage? Parce que moi j'en ai... C'est du bois, en fait ça s'appelle... J'en ai fait, bah. Ça s'appelle... Faut que tu viennes à côté de l'étable, là. Ouais, ouais, non, ça je sais, mais j'ai une table dans ma maison, mais La plateforme, ça s'appelle ça. Comment? C'est la wood, ou la wood plateforme. Merde, comment je casse ça? Si j'étais trop loin, David, comment je casse? Avec la masse. J'étais trop loin sur le côté. Avec la masse. Oui. Mais vas-y, fais-le. C'est combien de large la plateforme? C'est ça fait un carreau, enfin ça fait une case et il faut en plus. Il en faut plusieurs en fait. Ok. Là t'en mets plusieurs. Et mets une lumière parce que quand tu vas faire nuit. Voilà, comme ça c'est joli. Mets-en pas deux parce que sinon il y a un PNJ qui va venir voler ta maison. Ah ouais, si on en met deux, ils vont nous voler la maison. Ouais. Ok. Et un chandelier ça passe ou? Il te fauche la maison. Non, le chandelier, tu fauches tout. Tu fauches tout. Moi, je vais conseiller. Je vais aller planter un peu de tournesol pour pas qu'on s'emmerde. Ah bon, ça sert à quoi? Comment? Oh, il y a le guide qui arrive. Ouais, parce que. Oh, mais. Il faudra que tu fasses une porte. Ça sert à quoi le. Le quoi? Comment? Et parce que s'il y a la corruption dans notre village, on sera, vu notre niveau, on sera vraiment beaucoup tué parce que c'est tous les membres de la corruption qui sont assez forts, tu vois. Ils vont popper et ils vont nous tuer. Comment on fait pour. Tuer. Ah, c'est bon, j'ai trouvé. J'ai rien dit. Alors. Hop là. Salut le guide. Oh, il y a un lapin! C'est vraiment sympa Terraria, hein. Je vous le conseille à tous. Bah là c'est le début, mais vers le deuxième épisode ça va aller mieux, on va aller dans les villes. Voilà. Ce qui est bien dans le jeu, c'est qu'il y a plein d'items, il y a des items enchantés. C'est ça, c'est bien, en fait c'est qu'il y a un grand choix quoi. Faut vraiment que j'aille me chercher... C'est quoi Nurs? Et c'est quoi Nurs? Nurs? Infirmière. Ouais, c'est la nurse. Ça. Il y avait écrit. Où est-ce que t'as vu ça? Nurse has arrived. Ça veut dire que l'infirmière elle arrive. Ok, non, je crois que c'était. Mais comment je casse ce putain de truc au-dessus là? Mais il faut que tu prennes un marteau un peu au-dessus. Elle est là. Fille, ça va être assez dur. Hein. Elle est là, l'infirmière. Ah ouais. Elle est devant chez Gigur. Elle va venir faire des choses. Elle vient dormir chez moi. Elle vient dormir chez la Geeker. Je sais pas vous, mais moi je la trouve plutôt pas mal. Le gros pervers. Ah, casse-toi. Je danse pour elle. Cassez-vous, c'est la mienne. Allez, il se dit qu'on va faire le guide. Allez, on se fait le guide. J'ai conne. Ah, je veux pas dire, mais la campée chez toi. Ouais, elle campe chez moi. C'est parce que t'as les vues sur le rouge, c'est ça hein? Ouais. En fait, elle aime bien les. Elle vient de soigner. C'est du racisme envers les schtroumpfs. On a besoin de quoi pour faire un lit? Du bois. Alors, pour faire un lit, ouais, il faut du bois. Beaucoup de bois. Combien? Oula, attends. Le bois exact. Attends. Faut que je vais essayer d'en crafter. Putain, mais il est relou ce monstre. Histoire de changer de spawn. Comment je la fais décamper de chez moi? Ben, faut que tu te refasses une maison parce que là elle a campé carrément. Attends, on va essayer de casser la lumière. Attends, mais pourquoi je peux pas la casser? Faut sauter. Ben oui, mais. Oh, une étoile, c'est pour moi, c'est pour moi, c'est pour moi! Non, c'est pour moi! J'en ai vu tous les. Attention, il y a des monstres qui arrivent. Attendez. Fermez les portes.
Sinon, il est dans la merde. J'ai vu le premier, l'étoile. C'est chier, hein. Ah ouais, non plus, et puis quand on tue des monstres, ça nous donne de l'argent surtout. L'argent ça sert pour avoir le marchand et tout ça. J'arrive pas à casser. Moi j'ai beaucoup de sous. J'arrive pas à casser ma torche. Ouais, mais pareil, j'arrive pas. Je crois que c'est puisqu'elle est venue camper ici, bah, c'est foutu. Ah ouais. Bon. Bon bah voilà, on va tout se faire des. Ah c'est bon, sinon, j'ai retiré. Si vous voulez continuer, il faudrait peut-être faire une ligne parce que la nuit là, on va. Allez, on va dans le noir. Non, mais j'ai retiré la torche, c'est bon, je crois. Ah, attention! Oh non! Turn your head and go. Heal. Je suis décapité, je crois pas. Ah, elle peut nous soigner et tout. Ah, en fait, gaffe, derrière un monstre! Ouais, une étoile filante. Mais il y a l'infirme. Elle est morte. Ouais, une autre étoile filante. Je crois qu'elle a fait un problème. Ouais, zombie. Ouais. Cargo, il va mourir. Cargo, il est mort. Oh non, on va devoir se retaper le. Le chemin. Le chemin. C'est pas grave. C'était pas loin. Mais y'a personne qui a les moyens de se crafter un lit parce que là. Ben je vais essayer vite fait de me crafter un lit, que je suis en train de revenir. Bon, deuxième épisode, on ira dans les mines et tout ça. Ouais. C'est pas mal. Ouais ouais. Ici là on fait déjà. On découvre. Oh putain, j'ai drôle ma pelle. Ah. Je vais essayer ou pas? Ah non, elle est là. Ah ça y est, la merde, ça se fait attaquer. Tiens, je te sauve. Moi ce que pourquoi j'aime pas, même pas, je vais me sauver. Moi ce que j'aime pas, c'est juste que quand on drop un objet, il se met pas dans la barre directement en bas. Et c'est un peu énervant. Ouais, je sais. Ouais, je sais, c'est. Bon après, c'est pas non plus trop. C'est pas non plus. Oh, il y a la bonasse qui vient chez moi. Elle se réfugie chez les autres. Prenez des.